This is the Transat Jacques Vabre on the morning of race start day. As we know, a weather bomb had been predicted, so the 40-boat fleet was help in Le Havre Yacht Basin. Ahead of the storm named Kieran, the Amokas needed are put in a safe mode. Storm Kieran was set to sweep across the northwest quarter of France during Wednesday night. It is this huge system which has required the 40-strong Amoka fleet that was set to start the Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre on Sunday, tied to the dock in Le Havre. It looks set to be an exceptional storm, with winds of over 80-90 kts off the coast. And so today, the Amoka fleet were moved and more fully secured ahead of the storm by their skippers, teams and helpers, so that all will be in the best shape to deliver a great show off the start line when they do go. This Monday morning at the Paul Vatine Basin, the Amokas were in the middle of moving. Since the others have left, they left us a little more space, jokes French skipper Benjamin Dutroux. In reality, because of the storm forecast, it was necessary to position the boats to moor them side to the docks rather than stern on. "We all try to point the bows more into the wind," comments Dutroux, skipper of Guide Environment, Water Family. "Our boats have a lot of wind resistance, so we put them all alongside the dockside." And the Amoka community banded together, all helping each other to secure each boat. On board his boat, Maxime Sorel is at the helm, while Paul Mailhat, Biotherm, and a technician from Massif are helping with the docking procedures. Such solidarity and teamwork soon secures V and B Monbanner Mayenne. Some of the technical teams have already left to rest after 10 days in the village, confides Sorrel, so we help each other. "There is a normal, real solidarity among us sailors. We are used to being friends on land and competitors on the water, but there is always a kinship, a solidarity among sailors. With the boats secured today, everyone now has to wait patiently for the passage of this huge front, which is the talk of the maritime world, which has forced the Amokas not to take the start Sunday. What is a weather bomb? This very deep depression is said to be comparable to the storm that France experienced in 1999, which caused a lot of damage. It's a very explosive depression, with very strong winds and especially heavy seas," commented Damien Segan of Apicil. "Indeed, gusts of 110 to 120 kilometers per hour are expected inland and even more at sea," as Johan Richem, Paprik Archia, commented this morning. "At sea, forecasts show 80 knots. Gusts of more than 100 knots, more than 185 kilometers per hour, in seas with waves of 12 meters. This is unthinkable, and no rescue could provide assistance to a sailor in case of need. Yesterday, at 7:45 a.m., after studying all possible scenarios to maintain the scheduled start, the decision was made to retain the Amokas at the dock. If they had been allowed to start, the skippers who suffered damage or found themselves trapped by the conditions would have had no escape. After searching all night, in vain, for a port capable of accommodating the 40, 60-foot monohulls, many of which have foils like Lorient for the Class 40s, and the Ocean 50, race management had to make this difficult choice. The priority today for the race management is to hold the fleet in a safe position. The Ultims will already be off the coast of Portugal when the depression arrives, and now to consider a new, more acceptable and equitable start for these classes," explained Gildas Gautier, co-director of the Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. "In a few hours, 90% of the fleet will be safely docked. We have the Amokas safe in Le Havre, the Ocean 50 and the Class 40s in Lorient. Today we can refocus on the starts for the entire fleet, including a live producing a live broadcast for the Amokas with our partner France Télé from Le Havre. We are carefully monitoring the weather window, which will allow us to resume the beautiful spectacle. Then a full send-off will take place for the Amokas. For the start of the 40 Amokas remaining in Le Havre, the organization are preparing a high-quality send-off, equivalent to Sundays, to provide the media with live images, in two languages, and welcome the media in the best conditions. In the meantime, daily monitoring of this fleet on standby will allow local visitors to better understand the ins and outs of such a development, but also to see the preparation of the skippers
and their teams up close. And a big, spectacular send-off is still anticipated. Le départ a été reporté pour des causes météorologiques, donc il y a un gros coup de vent qui arrive. Donc du coup, l'organisation a décidé de garder les bateaux ici, les IMOCA ici au port. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que tous les bateaux sont en train de se placer à différents endroits sur les pontons et tout autour du bassin pour justement être le plus safe possible. Si t'es par là, juste ouais, prendre la main ou deux. Et puis... Tout le monde se file un coup de main, c'est sympa. Ouais. Là, il n'y a plus rien. Bon, bah, une fois qu'on a fini tout, on vient filer un coup de main s'il y a un autre. Bah, nous, on est bon aussi. Manu, un petit mot, un seul, pour décrire la journée. Plaisante. Je fais pas ça. Unité. L'adaptation. C'est vraiment le mot solidarité qui prône ce matin. Les équipes, ils se mettent ensemble pour faire bateau par bateau, pour pas laisser quelqu'un sans personne. Et aussi, il y a la solidarité de... forcément, tout le monde a envie de rentrer chez eux maintenant pour se reposer. Donc, tout le monde est pressé, mais il faut aussi être solidaire et attendre le dernier bateau à être placé pour qu'on se mette tous au repos. Il y a pas mal d'entraide, c'est chouette. Ah, regarde, on travaille tous ensemble, on est resté au port tous ensemble. C'est les voisins qui nous aident, puis la DC qui s'organise pour bien tout gérer. Il y a des équipes qui sont moins bien staffées que d'autres, donc voilà, on a laissé un peu de monde pour donner un coup de main et essayer de faire en sorte que ce soir tout le monde soit amarré sérieusement pour les coups de vent à venir de jeudi et peut-être le week-end prochain aussi, on va voir. Ça écrit aussi de jolies histoires de voir toutes les équipes travailler ensemble ce matin, c'est plutôt chouette. Dans la traîne de la dépression qu'on traverse depuis ce matin. Donc il y a pas mal de gras, c'est assez violent parce que la mer est forte. Et donc on essaie de trouver le bon réglage pour aller pas trop vite, mais sans se faire siffler par les gendarmes. Sans se faire violence. C'est pas simple, vivement ce soir ça va mollir, les conditions vont s'améliorer dans la nuit et on aura fait le plus dur au niveau des conditions de ce début de transat. Thank you.
Bah, on retient que voilà, bah déjà qu'on a, on a gagné et que tout s'est très bien passé. On a fait une super course. On savait que c'était très dur. Mais bon, quand tu te retrouves dans ces conditions-là, quand même, tu sais que tu peux. Il n'y a qu'un parti des risques, voilà, tu ne peux pas trop gérer. Comme on a vu, il y a des autres bateaux qui ont dû abandonner ou ils ont eu des gros soucis. Donc on est déjà très content d'être arrivé sans souci. Et puis voilà, on a fait un super trace, on est très content de la vitesse du bateau tout le temps. Enfin, une très très jolie warm-up. Ah bah en vrai non, parce qu'on n'a pas fait de café là. Franchement, de faire un café en cette... C'était pas facile. Hein. Ouais. On aurait repeint le bateau, je pense. Eh ben, nous qui étions partis pour 3 semaines de mer, là, de se retrouver après 36 heures à la maison, c'est un peu étrange, mais on sait que le meilleur est à venir et on a hâte de savoir quand on va pouvoir repartir pour enfin rejoindre la Martinique. Ouais, après, je pense que pour la deuxième étape, on ne va pas réfléchir à cet avantage qu'on a sur cette première étape. Après... On est bien content de l'avoir et pas l'avoir à l'inverse, cette heure d'avance. Mais bon, après, on va dire qu'on va sûrement repartir à zéro parce qu'une heure sur un transat, c'est vraiment pas grand-chose. Mais en tout cas, ça fait un très joli course, quoi. On réalise vraiment un joli parcours, on ne fait pas d'erreur majeure. Franchement, on a été vraiment solide. Ah bah là, souvent, je disais que pour moi, Jacques Vabre, c'était la course de la maturité. Et là, voilà, c'est exactement le cas. Avec Nico, on a fait... Ça, c'était la troisième course qu'on faisait ensemble, du coup, pas beaucoup. Et bah, sur ce type de parcours, c'est sûr qu'on est très à l'aise. Et bah là, il faut voir un mode transat. Et ben, déjà que c'était dur. C'est jamais simple de passer du mode de vie de terrien à celui de marin. Et la première nuit... Les conditions de mer étaient dures, le vent était fort et puis bah, y a le sommeil à gérer c'est pas si facile de se remettre dans un mode où on fait des siestes de 15 minutes plutôt que des nuits de 8 heures. Mais ça paraît peut-être pas comme ça, mais on en a bavé. Et ces bateaux ils sont pas évidents. Hein. Nous, il y a vraiment eu des conditions de mer où... sans parler de blessures, en tout cas, ça tape, on se fait mal à l'intérieur quand on va matosser. Donc c'est engageant et donc voilà, on est content d'avoir fait la manche. Sûrement que le redépart, il y aura quand même de la brise, d'avoir fait la manche, c'est déjà une bonne chose. Déjà, voilà, là, c'est sûr, dans tous les petits parcours, dans 35 nœuds, quand même, il y a toujours 2-3 bricoles à faire. Mais c'est surtout que du coup, il faut se remettre un peu à modalité départ. Du coup, il faut qu'on trouve le temps de se reposer bien, quand même, parce que la prochaine, c'est la vraie et ça va être longue. Du coup, oui, il faut aussi que le départ, ça ne nous stresse pas énormément, dans le sens qu'on ne va pas attendre tous les jours qu'ils nous disent quand on part. On va débrancher un tout petit peu, voilà, 2-3 jours pour être prêt. Ouais. Je ne sais pas si on est tout seul, mais en tous les cas, ouais, nous, on était malades. Ouais, c'était musclé le départ. On n'a pas réussi à trouver la bonne carbu tout de suite pour suivre les copains. Et derrière, ça a été dur. On a subi toute la régate. Et en fait, on n'a pas fait les bonnes. On a essayé de faire des trajectoires un peu tendues, un peu différentes des autres, mais en fait, ça n'arrêtait pas de se partir par devant. Et puis un déficit de vitesse évident et du coup bah, ça fait je sais pas combien d'heures mais ça creuse à l'arrivée quoi. Pour un tour de Bretagne ça fait quand même l'addition est salée. Je pense qu'au moins on aurait été à mariner. La météo était pas engageante mais c'est sûr que si ça continue on avait plus le temps de se remettre dedans, rattraper les copains.
Là, ça fait tout de suite des heures de perdu. Puis là, c'est du côtier. Enfin, là, c'est... Enfin, on n'est pas en mode transat, quoi. Là, c'est... Alors que peut-être que nous, on était peut-être partis plutôt en mode transat. On n'avait peut-être pas le bon mode à bord. Voilà. Non, il n'y a mais... pas de grosse casse. On a entendu des cracks, mais il va falloir qu'on inspecte tout ça, mais a priori, ça va. Regardez les météos, quand est-ce qu'on part? Parce que je ne croyais pas qu'ils vont s'en sortir comme ça, quand même. Donc, ouais, un animal blessé est très dangereux. Donc voilà. Donc non, on va regarder la météo, puis, et puis on est chaud, quoi. Hein, André, on est chaud. Bah ouais, un peu de repos avant de repartir. Ouais, un peu de repos, on va essayer de soigner notre mal de mer. Voilà, oui, on a été sujet au mal de mer, on a eu un petit déficit de vitesse pour essayer d'accrocher des petits copains. Ouais. Audrey aussi un petit peu déçu, forcément. Oui, c'est sûr. C'est...